bien trop très rapide puisque nous avons accouché à la maison. Donc c'était assez rapide, plus rapide d'ailleurs que ce que je pensais. Et donc nous avons eu un garçon, donc nous avons Julien, donc bon, c'est pas la même portée, j'ai envie de dire ça comme ça tellement c'est inhumain d'avoir autant de bébés. Mais c'est un garçon, on va l'appeler comment? On va l'appeler Pierre, tiens. Ce sera Pierre Sanchez. Oh non! Et puis c'est tout! Non! Oh non, en vrai, je voulais genre avoir des triplés et les appeler Pierre, Feuille, Ciseaux. Et mon délire, ça a cassé tout mon délire. En plus, dans le couffin rose, oh non, je suis dégoûtée. Et j'avais préparé 3 couffins, j'étais tellement à fond pour avoir des triplés. Non, je suis déçue. Je suis déçue, il va falloir enchaîner sur encore un prochain bébé. En essayant de trouver ben, quelqu'un, quoi. Et d'ailleurs, tiens, en fait, c'est le fils du vampire. Est-ce que c'est un vampire ou pas? Je pense qu'on le saura pas tout de suite. Bah tiens, on va... Bonjour, monsieur. J'ai un petit problème de plomberie, monsieur. J'ai un petit problème de plomberie. Voulez-vous m'aider, s'il vous plaît? Non? Mais pourquoi tu sors à pied comme ça? Pourquoi? Ah tiens, va nourrir. Ah merde! On est lundi! Je veux bien qu'on est lundi, faut qu'il soit bien pour aller à l'école. Hein. Ah ouais, c'est passé vite. Hein. Faut qu'il soit bien pour l'école, quoi. Et le monsieur, du coup, est parti. Du coup, le monsieur est parti. Eh ben mince, alors. Eh ben mince. Bon bah tant pis pour le monsieur, on appellera quelqu'un d'autre. Hein. Tiens, ça en remplace, là. Elle est pas contente. Va falloir aussi nourrir l'autre, je pense, bientôt. Petit requin qui danse et tout. Là, il y a que des madames. Il n'y a que des madames. Elle est très joueuse. Ah, faut faire très attention parce qu'on peut mourir. Si c'était très joueuse. Ah, c'est qui a... En plus, c'est pas vraiment elle qui a besoin de parler. Mais toi, par contre, t'avais besoin d'aller manger. C'est quoi, ça? Bah, tiens, va reprendre la bouffe. Toi, par contre, t'as besoin d'aller parler. Elle a besoin d'aller parler, elle est pas bien, donc on va lui demander d'aller parler avec sa maman. On sait qu'elle continue à manger en même temps, mais non. Bébé qui pleure. Ah! Ah! Arrêtez! Bon, on va appeler qui cette fois-ci? Brent et Brandt sont déjà papa. Le vampire est déjà papa. Dominique est pas papa. Invité à venir sur le terrain actuel. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Écoutez, Angela a raconté une histoire. Mais elle est pas là, Angela. Est-ce qu'il va venir, du coup, le papa? Ah, va arriver. Ok, il arrive. Il arrive en courant, même, j'ai envie de te dire, là. Raconter une blague, ok. Drôle, raconter une blague. Raconter une blague sur les hommes politiques, voilà. En train de dormir ou pas? Non, ils sont pas en train de dormir, ça me fait peur là. Quand ils dorment pas, c'est qu'ils sont chauds à faire des bêtises, à se chier dessus et à vouloir manger. Faire les hurons à quelqu'un. Faire les hurons, ça c'est dans drôle. Faire les hurons. Il y a une voiture, aller au parc, non. On a gagné combien d'argent là?
Le lutin qui lutine, 282. Ouais, mais du coup, on gagne pas pour les deux livres. C'est pas beaucoup d'argent, hein, quand même. C'est pas beaucoup d'argent, là. Bon, est-ce que quand ils vont rentrer, est-ce qu'ils ont un A? Oh, déjà. Va falloir qu'on nettoie tout ça, là. Ouf, et les factures, ça, j'aime un peu moins. Ça, j'aime un peu moins. Et là, c'est quoi? Rencontrer une nouvelle personne. Bon, y a plein de gens, hein, qui passent devant. Là, par exemple, toi, là. Présentation amusante. Bah bon, bah écoutez, tant pis. Hein. Si on peut rester à la maison, on va rester à la maison. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut? Ça, c'est devant le miroir, ça, je crois, quand il y a une loupe. Ah non, même pas, complimenter quelqu'un. Complimenter sincèrement. Reste là! Non! Où est-ce que tu... Attends, où est-ce qu'il va, là? Où est-ce qu'il va? Complimenter sincèrement. Voilà, va le complimenter. Tu seras content, tout le monde sera content. Toi, tu gagneras des points, c'est magnifique. Moi aussi, sur la ouais, non, flemme. Flemme, il n'y a pas autre chose. Discuter avec quelqu'un, bah là, ouais, tu discutes avec. Hein. Voilà, c'est parfait. Envoyer un SMS de bonheur. Tiens, tiens, envoie-lui. Sortons pour en profiter. Je peux pas, j'ai des bébés à la maison. Va au pipi room, ouais. Va au pipi room. C'est qui pleure? Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Il va quand même falloir qu'elle se couche au bout d'un moment. Il y aura bientôt la relève qui va rentrer. Voilà. Elle va dormir. Mais par contre, faut qu'elle arrête avec cette tenue. Faut qu'elle arrête vraiment. Voilà, elles sont rentrées. Ah! Ça permettra de progresser à l'école. Attends. Ah, yes! On va pouvoir le faire grandir. D'abord, on va lui demander d'aller dormir parce que là, il est au bout de sa vie. Elle, elle a un A parfait. Mais elle a envie de dormir aussi. Mais attends, juste avant, si vous pouvez nourrir les bébés. C'est que vous êtes fatigué, hein. Mais la maman aussi, elle est fatiguée. On est tous fatigués, on est tous à bout, je crois. Mais bon, si je veux le rejoindre quelque part, bah viens à la maison. Viens à la maison, ce sera mieux. Allez, va dormir. Profites-en que les bébés... Non! Elle s'est endormie par terre! Non, pourquoi? Les bébés qui pleurent. Bon, on va réveiller la maman, parce que ça va pas. Nourrir, allaiter, voilà. Enfin, un petit moment qu'il a pas mangé, Julien. Oh là là, elle rigole pendant que son bébé il pleure. Non, me dis pas qu'elle est malade. Me dis pas que t'es malade, va falloir qu'on achète un ordinateur sinon. On va bercer les deux pour qu'ils s'endorment. Voilà. Voilà, voilà. Et on va demander de composer un morceau. Une musique mystérieuse. Tiens, une musique mystérieuse. Pour changer. Oh là 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 là. Bon. Toi, réveille-toi. Changer la couche sale. Va leur faire un gâteau. Est-ce qu'ils peuvent se faire eux-mêmes un gâteau? Cuisiner. Gâteau hamburger. Tiens, voilà, pour leur anniversaire, un gâteau hamburger. On adore les Big Mac. C'est parfait. Le petit gâteau hamburger. Ah, niveau 2 de la compétence cuisine. Bon, eux, à la limite, on s'en fout un petit peu de leurs compétences. Sans être méchante.
continue à composer. Il faut qu'on fasse aussi 4 compositions pour son aspiration. Plus vite on aura fini son aspiration, plus on gagnera de points. C'est une phase, une panne occasion de prendre de hurler ou tout mettre à fond. Ok. Alors, ce que tu vas faire, c'est qu'ici, tu vas mettre des bougies d'anniversaire. Et tu vas souffler tes propres bougies. Comme ça, plus d'école après, on a un A, donc on respecte les conditions. Donc pour devenir adulte, il faut qu'ils aient des A à l'école. Angelo a vieilli. Et attendez, parce que j'ai toujours la page d'ouverte. Il faut qu'il soit adulte très ambitieux. Ok. Donc ambitieux. Mince. Est-ce que je me serais trompée quelque part? Ah bah non, c'est là ambitieux, je suis en train de me dire... voilà quoi! Responsable. Voilà, c'est parfait. Et du coup, tu vas remettre des bougies pour ta sœur. Bah lui, il a pas du tout changé. Il a exactement la même tête. Il m'a demandé d'aller... Bah tiens, avant d'aller manger, tu vas aller aux toilettes. Et ta sœur, elle va se réveiller pour souffler sur les bougies. Souffler sur les bougies. Oui. Non, viens souffler sur les bougies, je t'ai dit. Allez! Excusez-moi. Regardez, elle va s'asseoir, elle va se relever. Je voulais la prendre avec une tête de psychopathe, mais j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Et elle aussi, elle a pas changé. Alors elle attendait. Adulte trait. Glouton. Ok. Donc glouton, ça doit être là-dedans, je pense. Non, c'est pas là-dedans. Ça doit être là, parce qu'il y a végétarienne, paresseuse, snob. Voilà, glouton. Ok. Bah là vous pouvez manger vos... Oui, vous pouvez prendre un morceau de votre gâteau. Tu peux aussi prendre un morceau de ton gâteau, sinon ce serait pas cool hein. En plus c'est lui qui a fait le gâteau. Et après bah tu iras dormir. Et du coup il n'y a plus école pour vous pouvoir aider pour s'occuper des bébés. C'est parfait. A besoin de divertissement. Donc regarder un film, les sœurs maladroites, je sais pas... Je sais pas c'est sur quoi, mais peut-être sur tes sœurs maladroites en vrai. Et ça, au frigo. Les bébés, ça va, ils vont bien. La maman, elle peut encore faire... elle peut composer encore. Elle est à la moitié, hein. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, va nourrir au biberon. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, toi aussi, comme ça, hop, on vous nourrit en même temps. Tout le monde est content. Babillé et bercé. J'ai mon ventre qui grogne. Je crois que je commence à avoir la dalle. Tiens, si tu peux les bercer. Pour qu'ils s'endorment, ce serait bien. Mais non, ils ont pas envie de s'endormir. Ah si, il y en a un qui s'est endormi. Regardez la chaîne d'humour. Endors-toi, Julien. Oh, calme-toi, Quinzel. Du calme, respire. Allez, va pêcher. Je veux de l'argent. Elle aussi, il faut qu'elle s'arrête un bout d'un moment. Prendre des restes, une douche, et puis dodo. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hein. Il faut aussi aller dormir. Hein. Au bout d'un moment, c'est bien le piano. Ça saoule les voisins, mais il faut dormir aussi. Les bébés, ils vont bien. Lui, ça va. Hein. Pas trop non plus, mais ça va encore. Bon, allez, réveille-toi, change-lui la couche. Ça va, il a décidé par lui-même.
d'aller se servir à manger le petit gâteau burger, le Burger King gâteau, on va y arriver. Ensuite, prendre une petite douche. Et regarder un film, Le Retour du Chien Perdu. Voilà, le genre de film qui donne envie de pleurer, je crois. C'est bientôt l'anniversaire de Pierre. Quoi ? Mais comment ça pourrait être déjà l'anniversaire de Pierre alors que Julien n'a pas encore grandi ? Je comprends pas. Je comprends pas ! Elle, ouais, on va peut-être ouais, lui demander de rentrer, hein. À la maison. Qu'est-ce qu'elle fait l'hôtel? Elle a bugué dans un poteau, regardez. Elle a bugué dans un poteau. Regardez. On est en accéléré. Bon, faut que j'arrête mes conneries. Ah, bah c'est débugué tout seul, je crois. Voilà, elle a pu bugger dans le poteau, c'est parfait. Et on va nourrir les deux. De toute manière, quand ils seront en bas, ce sera encore pire. Allez, pipi room. Douche. Manger. Dodo. Le petit train-train routinier, voilà. Quant à lui, bah, il est parti se coucher, c'est bien. Quant à elle, voilà, réveillée. Qu'est-ce qui va pas encore les bébés? Qu'est-ce qui se passe? T'as mangé il y a pas longtemps là. Hein. Abuse pas. Hein. Abuse pas, jeune bébé. Jeune pandawa. Pandawa. Padawan, je voulais dire, je dis pandawa. Qu'on pensait à panda. Pareil, faut changer la couche. Berce-le et puis va manger. Va manger, allez, va prendre des restes. Et pareil, toi, va manger des restes. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup? Je crois qu'il ne doit pas rester grand-chose au niveau des restes. Hein. Oh, 360 simflous pour le lutin. Mais c'est bizarre parce qu'il ne donne plus pour l'ancien. On va quand même gagner un peu plus d'argent avec les droits. Hein. C'est pas terrible. Hein. C'est genre vraiment pas terrible. Ah, faut payer les factures. Oula, il y a du peuple là. Payer les factures. Ouh. Ouh, presque 1000 simflous de factures. Hein. Regardez, elle sort encore habillée en tenue. Ah voilà, il a changé. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Donc toi, reprends. Ah, faut que je pense à faire ça aussi. Je le fais pas. Je le fais pas. Je le fais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il y a pas mal de choses à vendre. 82 simflouz. 10 simflouz. Le projet scolaire, on peut le vendre. Ça fait toujours 100 simflouz. De toute façon, ils sont plus à l'école. 8 simflouz. C'est pas fameux. Hein. Ce serait bien une graine de vache, là. Une graine de plante mangeuse d'humain. Je vais pas me plaindre parce que franchement il y a pire, on aurait pu gagner moins d'argent. J'aurais peut-être pu garder le livre de devoirs hein, au cas où les enfants les perdraient aussi, enfin les futurs enfants, les prochains. Bah, écoute, va pêcher. Elle a besoin de dodo encore. Bah, pourquoi pas, une grosse sieste, hein, une très grosse sieste. Et la maman, elle est bien. J'espère qu'elle aura le temps de finir sa composition. Et du coup, il lui manquera encore une, je crois, après. Hein. Ouais, après, il faudra encore que j'en fasse une pour finir ça. Parce que franchement, ce serait pas mal qu'elle finisse. Et c'est quoi ça?
acheter un instrument, déposer un morceau de piano. Non, on peut toujours pas, et ça rapporte combien? 50, franchement, c'est pas ouf. On ferait deux trucs normaux, ça reviendrait au même, et on aurait pas ça. Parce que là, ça nous bloque un petit peu. Appeler quelqu'un au téléphone. Oh bah tiens, on va appeler Mathieu au téléphone, discuter. Quand elle a fini, puisqu'elle a bientôt fini, voilà, laissez finir. Donner un titre au nouveau morceau. Donc ça, c'était un air mystérieux. Pour un air mystérieux, on va marquer... On va appeler ça Poudlard thème. Voilà, le thème de Poudlard. Ah, bon. S'entraîner à parler devant le miroir. Arrête de chialer! Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Proposer un plan fou à quelqu'un. Est-ce qu'elle peut proposer un plan fou à sa fille? Elle a besoin de discuter, sa fille, de toute manière. Non. Si, complimenter quelqu'un. Ah tiens, réveille-la. Elle a du mal à se réveiller. Hein. Ah, est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle est malade? Complimenter. Complimenter. Toujours pas, pas de complimenter. Bah alors, normalement on devrait pouvoir la complimenter, non? Bah, écoutez, si on peut trouver autre chose à la place de ça. Rencontrer une nouvelle personne au bar à cocktail non plus. Raconter une histoire incroyable. Ça c'est faisable, drôle. Raconter une histoire incroyable. Y'a pas? Non mais sérieux. Dans Amical? Ah oh, c'est bon, ils m'ont saoulé là, avec leur confiance là. Ils m'ont saoulé avec leur confiance. S'admirer dans le miroir, voilà. Va t'admirer dans le miroir, ça te va tellement mieux. Et toi, bah occupe-toi du petit bébé là qui pleure. Ça te va tellement mieux. Voilà, ça va mieux. Et va manger. Ah. Voilà. C'est à toi de manger le gâteau au burger, ça veut dire qu'il n'y a pas grand chose dans le frigo. Changer la couche sale. Bah oui, ça pue. Bah oui. Et bah oui. Je sais pas quand je les ai nourris. Je m'en rappelle plus. Bon, c'est bon. Ils sont bien. On va te servir le dîner. Des pasta primavera. I don't know what is that, but pourquoi pas. Ah là là. Tu peux aller pêcher maintenant. Tu vas aller pêcher. Et toi, tu vas, je pense, lui, il doit plus être bien là. Ouais. On va lui demander de rentrer. Demander de rentrer. Alors, toi, va reproduire les grenouilles. Et lui, qu'est-ce que ça donne? Oh, j'ai cru qu'il avait une graine de vache là, mais non. Bien, 11 simplouz. 19 simplouz. 34 simplouz. Oh là là, c'est terrible. Oh là là, c'était pas très rentabilisé hein, cette session de pêche. Hein. Elle a des trucs qu'on n'a pas vendus la dernière fois. On va tout vendre. Sauf les livres, on va les garder cette fois-ci. Ouais, franchement, c'est pas rentable hein, là, en ce moment la pêche. Hein. Bon, c'est mieux que rien, mais c'est pas rentable. C'est pas du tout rentable. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Bon, c'était pas rentable du tout. Les bébés qui pleurent, c'est terrible. On va s'arrêter là, je pense que voilà, j'ai eu ma dose de bébé pour aujourd'hui, je crois. Hein. Et du coup, j'espère que l'épisode vous aura plu, comme d'habitude, les épisodes du Baby Challenge sans Baby Challenge. Tous les mercredis et vendredis à 17h30, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo.